Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Coucou tout le monde, bon aujourd'hui je devais faire ma séance offensive plus ventre plat ou offensive et fesses. Je savais pas encore ce que j'allais faire, mais finalement je me suis réveillée courbaturée des fesses et des cuisses. Hier j'ai fait ventre plat et fesses, mais en fait le fesses je me suis vraiment donné à fond de chez à fond dans les répétitions. Et aujourd'hui j'ai les cuisses et les fesses qui brûlent, donc je vais les laisser au repos. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ferai que une séance spéciale ventre plat. Bref, là il est 10h19, je m'y mets, j'en ai à peu près pour 20 minutes maximum. Et voilà, j'ai mis exactement 19 minutes pour faire la séance du programme abdos. C'était que des gainages. Le premier tour, on se dit c'est trop facile. En fait, arrivé au deuxième tour, on peut déjà plus. Ce petit bracelet-là, avec écrit maman, ça vient de la marque Ava Bijoux. Et hier, elle m'a envoyé un message pour me dire comment nettoyer mes bijoux en argent. Elle m'a dit en fait de porter de l'eau à ébullition dans un bol, de mettre 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, de déposer l'eau à l'intérieur et mes bijoux, laisser macérer pendant 15 minutes et ensuite de bien les rincer à l'eau claire et de bien les essuyer. Et normalement, ils devraient être comme neufs. Donc, je vais le faire avec tous mes bijoux en argent, toutes mes bagues. Ça, ce sont toutes mes bagues d'Oriane. Ça, c'est ma bague Thomas Sabot. Je vais essayer aussi avec seulement deux bracelets d'Oriane et pas avec tous les autres. On ne sait jamais. Et si ça rend bien, bah, je tenterai sur les autres. Donc là, il y a tous mes bijoux à l'intérieur. Je vais bien remuer. Je vais laisser poser 15 minutes. Et je vous montrerai après. Là, je ne sais pas si c'est le bicarbonate ou le noir des bijoux en argent. Mais l'eau me paraît toute grise, toute sale. Donc voilà la salade, je rajouterai vinaigrette et les croûtons en dernier au moment du repas pour pas qu'ils s'imbibent de vinaigrette et qu'ils soient tout mous. Elles te regardent, elles sont cachées derrière le zap. Est-ce que t'es bien là au soleil, tranquille? Trop Margot, bien. T'es bien toi aussi là? Mets ta bouche. Mets ta bouche. Ah, c'est le vent qui... Regarde, Margot aussi, elle veut souffler. Mets ta bouche. Mets ta bouche. Colle ta bouche. Colle. Vas-y. Vas-y. Souffle. Souffle, souffle, souffle. Ouais, t'as failli. Margot, non, non, remue pas. Si tu fais trop de bulles, ça marchera plus. Oh.
Oui, j'ai réussi. Est-ce que c'est un coup de chance ou pas? Est-ce que maman peut les attraper, moi? Tu commences à gonfler, là. Ah, loupé. Mais... Ah, tiens, regarde. Arrête. Il souffle. Vas-y. Souffle, plus fort, plus fort. Ah. J'ai ok. Ah, après, t'as plus d'air. Yo. Yo, on fait pas ça, Margot. En fait, à chaque fois, je bloque ma respiration par la bouche. C'est le vent, qui la casse. Regarde, attends, Louise. Non, Margot. Je vais y arriver. Hein. Pourquoi ça s'envole pas? Vous m'avez posé des questions sur les bulles. La recette, je l'ai prise sur internet. C'était une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à soupe de sucre, je sais plus combien exactement d'eau, et 5 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Donc il fallait mélanger le tout, tout doucement, pour pas que ça fasse de la mousse, sinon c'était foutu. Et ensuite, il fallait prendre sa bouteille, la couper, et donc tremper les bulles dans la mixture là, et sur la vidéo de la recette, la fille arrive bien à faire les bulles avec la bouteille. Donc est-ce que j'ai mal fait un dosage ou est-ce que j'ai pas la technique? Et vous me dites toutes de mettre un tissu, une chaussette ou une serviette sur la bouteille pour faire de la mousse, mais nous on cherchait pas à faire de la mousse, on voulait vraiment faire des grosses bulles.